Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce jeudi 25 avril, nous allons échanger sur la certification qualité d'un établissement public ou service public. À cet effet, j'ai reçu dans cette tribune quatre intervenants. Il s'agit de Madame Okuya Ikia, directrice générale de la qualité du service public. Monsieur Serge Thierry Momboli, directeur du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Monsieur Roger Nazaire Openza, responsable du système de management de la qualité au service du contrôle des produits forestiers à l'exportation, tous deux cadres au niveau du ministère de l'économie forestière. Madame Émérie Litoy, directrice du cabinet manager au conseil, une structure privée. Je reprécise que avec ce beau monde sur les antennes de Télé-Congo, nous allons échanger autour de la certification qualité d'un établissement public ou d'un service public. Un échange qui apportera sans doute bien des éclaircissements pour la gouverne de tous. Merci, chers invités, d'avoir bien voulu être avec nous. Question première va être une double question, je sais, qui en ce moment préoccupe un certain nombre de gens. C'est celle de savoir ce que c'est la certification qualité d'un service ou d'un établissement public et à quoi cela sert-il qu'une structure ou un service soit certifié. La question va en direction de Madame la directrice générale de la qualité du service public. La certification qualité est une attestation qui confirme qu'une structure respecte une norme ou un référentiel donné. Et c'est une attribution qui est donnée par un organisme accrédité et surtout impartial. Est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité quant à l'obtention de la certification? Il y a effectivement des conditions d'éligibilité. Ça fait partie justement du processus de certification. Il y a donc un référentiel au départ. Il y a un diagnostic qui est fait en amont. Diagnostic qui permet de connaître l'état de la structure, ses processus, ses conditions de travail, les procédures, le personnel. Il y a un certain nombre d'éléments à vérifier, à contrôler et à diagnostiquer afin de pouvoir mettre en marche l'entreprise pour qu'elle s'oriente vers le respect des exigences d'une norme ou d'un référentiel. Vous avez dit qu'il y a un référentiel, il y a un certain nombre de processus qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'on peut penser que ce service joue le rôle d'enquêteur? Est-ce que... Pas tout à fait. C'est vraiment un diagnostic qui est posé. C'est faire l'état des lieux de la structure qui voudrait aller vers la certification. Pour cela, on met tout sur la table pour savoir où est-ce qu'elle se situe actuellement. Une fois qu'on a fait ce travail-là, après, il y a tout un processus et un travail au niveau des équipes, en interne, ou même que ce soit les locaux, les conditions de travail, le matériel, qui sera mis en conformité avec les exigences de la norme. Parlons de l'audit, la certification d'un établissement public ou d'un service public, quel impact en interne et en externe? Alors, il y a plusieurs impacts positifs, que ce soit en interne ou en externe. En interne, on peut notamment citer l'amélioration continue. On peut aussi en externe citer une meilleure qualité des prestations. L'amélioration continue permet dans les faits d'avoir des équipes qui sont formées continuellement, permet d'avoir le matériel qu'il faut pour le travail. Au niveau des prestations, c'est vraiment répondre aux besoins des usagers ou des clients, des partenaires d'affaires. Donc, c'est vraiment ça. Pendant qu'on y est, monsieur le DG, comment le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, service sous tutelle du ministère de l'économie forestière, s'y est pris pour... Ça a été un long travail, un long parcours. Déjà par la création de ce service, c'était un partenariat public-privé. Et à l'époque, on est en 2002, lorsque ce service est créé par la loi 16, la loi des codes forestiers, loi 16, 2000. Et cette loi mettait en création un service qui allait inspecter et contrôler toutes les cargaisons de bois
qui quittaient le pays afin de garantir la qualité du bois qui partait, de mesurer et d'avoir les vrais volumes qui sortent et fournir l'information statistique notamment à l'État. Et cette création a été faite non pas l'État tout seul, mais il s'est adossé avec une société de la place qui existe toujours, c'est la société SGS. La société SGS, Société Générale de Surveillance, qui est une société habituée à travailler sous les normes de qualité. Donc, un partenariat public-privé avait été fait à l'époque pour créer ce service que nous avons aujourd'hui, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Et chemin faisant, c'est quoi? C'est autour de 2009 que l'État a récupéré cet outil qui a été créé avec le partenaire privé. Et donc, depuis les années 2008-2009, nous fonctionnons en étant entièrement public. Il n'y a plus de privé. L'entité publique est restée. Et cette entité publique a toujours gardé ses normes de qualité. À l'époque, c'était la norme ISO 9001 version 2000. Et aujourd'hui, on a évolué vers la version 2015. Mais cette version 2015 a été installée qu'il y a récemment, c'est en 2019, que nous avons repris le parcours de certification de ce service afin de témoigner de la qualité de l'organisation déjà de la structure, mais aussi de la qualité des prestations qui sont réalisées par les agents du terrain. Parce que la certification, ce n'est pas uniquement le management, c'est surtout la base. Si vous n'avez pas les acteurs du quotidien qui comprennent la qualité et qui la mettent en œuvre, votre système ne tient pas. Donc on a pu bénéficier de cette historique liée à la qualité avec la création en partenariat public-privé. Et là maintenant, on a réalisé pendant 4 ans, accompagné du cabinet Manageo, les révisions de nos procédures, révision des fiches de fonction. Quels sont les avantages de la certification en interne et en externe? Qu'est-ce que l'État gagne? Alors, merci madame. Pour répondre à cette question, je voudrais dire que la certification au niveau interne apporte la confiance vis-à-vis de ceux qui travaillent. La certification apporte une bonne organisation. La certification permet de mettre en place des bonnes procédures et des bons processus qui permettent de fonctionner efficacement. Au niveau externe, la certification, c'est comme une garantie. Si nous prenons aujourd'hui l'exemple des acheteurs du bois congolais ou alors les exploitants forestiers, étant donné que le SEPFE est certifié à cette norme, du coup, le SEPFE devient comme un élément de confiance pour l'État, pour les acheteurs. Quand ils savent que le SEPFE est certifié à la norme ISO 9001 version 2015, c'est-à-dire que le SEPFE applique ce standard en respectant toutes les procédures et toutes les exigences qui sont à l'intérieur de cette norme. C'est pour dire que ce soit les forestiers, que ce soit les exploitants, ils auront confiance vis-à-vis du SEPFE. Et donc, la certification permet aussi d'avoir d'autres partenaires. À travers cette façon de faire, il permet d'attirer d'autres clients. Voilà un peu l'intérêt de la certification. Et pour appuyer ce que dit mon qualiticien préféré, c'est le travail que nous faisons, en quelque sorte, nous donnons une marque de fiabilité aux informations que nous allons donner. La première information, c'est le volume qui sort. D'où provient-il? De quel exploitant forestier? Et ensuite, derrière, est-ce qu'il a bien subi la légalité qui existe dans notre pays? Ce bois peut partir en Europe, en Chine. Et aujourd'hui, ce que nous faisons pour chaque bille ou chaque colis qui sont exportés, nous avons un code barre pour la traçabilité du contrôle qui a été réalisé. Donc cela certifie pour l'État d'avoir la réelle information et les vraies quantités qui sont négociées chaque jour. Alors, que gagnent les forestiers? Le forestier, ben, c'est déjà de pouvoir savoir que sa cargaison ou ses volumes qui sont exportés ne sont pas contrôlés arbitrairement. Nous suivons des normes bien précises, des normes de la TIBT,
et nous sommes impartial quant à notre travail. Nous ne favorisons pas un forestier par rapport à un autre. C'est les mêmes pratiques pour tout le monde. Et nous réalisons une méthode d'audit avec ces forestiers puisque nous contrôlons leur cargaison en aveugle, sans savoir exactement ce qu'ils nous ont donné ou déposé dans l'espace où nous devons contrôler. Donc nous le faisons en toute objectivité. Nous allons faire un bond en arrière. Monsieur Pesa nous parlait tout à l'heure, il est préférable que les employés s'approprient cette démarche pour la certification. Et dans le cas où les administrés n'adhèrent pas à cette démarche, qu'est-ce qui arrive? Bon, en fait, quand on met en place un système de management de la qualité, c'est tout un long processus. C'est pas tout de suite aujourd'hui qu'on met en place que... tout le monde s'approprie. Donc il y a un long parcours. Il faut des formations à chaque fois. Il faut renouveler les connaissances à tout moment dans le sens de la qualité. Il faut mettre en place des procédures. Ces procédures-là, ils doivent les approprier et les connaître puisque c'est le travail qu'ils font jour au jour. Ils doivent connaître les éléments d'entrée, les éléments de sortie. Qu'est-ce que à la fin, ils sortent comme éléments après leur travail. Donc, pour que le personnel s'approprie de cette démarche, c'est la formation qu'il faut mettre en place. C'est chaque fois, il y a même tout un programme qui est mis en place, les programmes de sensibilisation, chaque année. Il y a des programmes de sensibilisation, il y a des programmes d'audit, et il y a même des revues de direction que nous mettons en place. Nous réalisons même des enquêtes de satisfaction de clients. Les enquêtes de satisfaction de clients, c'est quoi? Vous êtes notre client, on vient chez vous, pour vous mettre dans les bonnes conditions, on vous demande de nous dire ce qui est de bien et ce qui est de mauvais. Pour faire quoi? Pour améliorer continuellement notre travail. Voilà, donc pour que le personnel puisse s'approprier de ça, il faut sans cesse former. Parce que le directeur vous a dit, nous avons commencé la qualité depuis 2003. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le personnel du SPFE, aujourd'hui, dans toutes les antennes et postes, ils connaissent ce que c'est que la qualité et ils connaissent la valeur de la qualité. Voilà. Monsieur, déjà quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Oui, bon, sans oublier que nous satisfaisons d'abord notre commanditaire, à savoir notre ministère de tutelle. Et ce ministère de tutelle a une exigence très forte par rapport à nous, comme nous représentons la porte de sortie ou le dernier maillon avant que le bois quitte le pays. Donc l'exigence est très forte à notre niveau. Et d'où l'intérêt d'avoir mis en place ce système de qualité. Vous devez faire des déclarations, des déclaratifs, etc. Pour que tout soit maîtrisé. On parle de contrôle dans le sens de maîtriser l'information. Si je peux rappeler, c'est dire que lors de la signature de la convention et dans le document de la convention, vous allez voir qu'il est écrit en noir et blanc que le SPFE, à terme, c'est-à-dire après le programme, doit être un service certifié. Donc c'était déjà les instructions que les autorités ont données dès la création, en demandant à la SGS de mettre en place un système qualité dans le service. Et demander à la SGS que ce service-là, quand il va chuter, il faut qu'il soit un service certifié. Bon, à cause de quelques aléas, le SPFE n'a pas été certifié. Et voilà que de 2020 à aujourd'hui, nous avons intensifié ce que je vous ai dit, les formations, tout ce qui est exigé dans la norme pour qu'aujourd'hui, nous soyons certifiés. Nous avons été certifiés, je reprends, nous avons été certifiés l'année dernière, au mois de septembre. Septembre 2023. 2023. Ouais. Donc après 4 audits à blanc. Donc coup sur coup, pour parvenir au résultat attendu. Donc c'était des efforts, ça a été revu, il y a plusieurs systèmes d'audit à blanc, du plus souple au plus sévère, et qui ont permis de donner ce résultat et d'être certifié l'année dernière. D'accord. Voilà. Je voudrais rebondir en fait sur ce que ces messieurs ont dit concernant la volonté des autorités de l'État de mettre en place des organismes qui soient certifiés. Il faut rappeler qu'un des grands gains pour l'État congolais, c'est de pouvoir rehausser la signature pays, l'image du pays à l'international. Quand vous avez des services publics ou des établissements publics
qui sont certifiés conformes aux normes internationales. Ça permet de mieux se positionner sur le marché international face aux partenaires financiers éventuels. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité aussi. Madame la directrice, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la certification va également jouer sur la zone de libre-échange continentale? Parce qu'actuellement, les États sont en train de beaucoup parler de la zone de libre-échange. Je voulais savoir. Parfaitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des services publics qui sont certifiés, qui sont conformes à un référentiel ou aux normes internationales, ça permet d'avoir une meilleure attractivité, de mieux se positionner sur le marché international. Donc, quand on a en face de soi des partenaires qui sont non certifiés et d'autres qui sont plutôt certifiés, on a tendance plutôt à aller vers ceux qui respectent les normes internationales parce qu'il y a une garantie, il y a une confiance derrière. Donc, c'est un intérêt pour l'État congolais d'avoir des établissements publics certifiés. Tout à fait. Et si je peux rebondir pour la zone de libre-échange, la certification ne concerne pas que les organismes privés, mais publics également. Parce qu'on va être confronté à des échanges de produits, comme a dit M. Mamouli, ou de services. Et si à côté, vous avez des entreprises qui sont certifiées avec des produits qui ont des process contrôlés, ils ont un avantage concurrentiel par rapport à vous. Est-ce qu'il y a, en matière d'exportation du bois, est-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale, par exemple, dans la zone CEMAC, est-ce qu'il y a une concurrence? Et c'est donc en cela que au niveau de l'exportation, le service contrôle qualité doit jouer pleinement son rôle pour que le Congo, évidemment, tire son épingle du jeu. Son épingle du jeu. Exactement. Par rapport au bassin du Congo lui-même, nous représentons qu'à peine... nous sommes la troisième entité. Première entité, c'est la RDC. C'est elle qui a tout le volume. C'est clair. Ensuite, le Cameroun. Le Gabon. Et j'allais dire, il y a la Centrafrique et le Gabon. Nous avons beaucoup de forêts, mais on ne peut pas tout couper. Il faut gérer de façon durable toute cette forêt. La concurrence qu'il y a entre les pays de l'Afrique centrale doit être une concurrence maîtrisée également aussi. Pour éviter de la protection de l'environnement. Exactement. Mais il faudrait revoir un peu ce système. Récemment, nous avons eu des décisions... Lors de la réunion des ministres de la COMIFAC, c'est l'organe de gestion des forêts de l'Afrique centrale, le CEMAC, plus la RDC, qui fait que ce marché va être de plus en plus, non pas par pays, mais pour la zone. Donc nous devons aussi avoir des produits de bonne qualité. Parce que nous sommes certes, nous avons beaucoup de forêts, mais nous n'avons pas autant de forêts que la RDC, par exemple. Quel est l'élément qui va permettre à ce que nous puissions avoir un avantage concurrentiel? L'un de ces éléments, c'est la qualité. La qualité dans tout son sens. Ça va du produit jusqu'à l'organisation. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que c'est fini, le travail est terminé, parce que chaque année, vous avez des audits. Il faut maintenir cette certification, effectivement. Oui. Et il faut même améliorer ce qui vous impose une certaine rigueur et ce qui permet de rassurer justement, comme a dit madame, les partenaires. Ce qui est important aussi, il faut ajouter, c'est que au SPFE, que ce soit du premier agent au directeur, tout le monde s'est approprié de cette démarche qualité. C'est ça l'efficacité. Quand tout le personnel s'approprie en démarche qualité, en ce moment-là, les choses vont de l'avant. Et c'est ce qui a fait que le SPFE puisse être certifié à travers tous les outils, les exigences de la norme, les procédures, les processus, les indicateurs, les audits. Nous avons eu à avoir beaucoup d'audits à blanc et des audits de certification. C'est ce qui a fait que le SPFE soit certifié. On termine avec vous, madame. Quel rôle a joué le cabinet manager au conseil dans le processus d'obtention de la dite certification? D'accord. Mais donc nous avons joué un rôle, il faut savoir qu'on a un cabinet, donc nous faisons notamment dans l'accompagnement à la certification. Il y a plusieurs normes, il y a la 9001, il y a la 14001, c'est tout ce qui est management de l'environnement, il y a tout ce qui est sécurité des denrées alimentaires, etc. Il y a plusieurs normes. Mais donc nous sommes là en tant qu'accompagnateurs et comme l'a dit madame la directrice générale,
Il y a plusieurs étapes. Il y a le diagnostic, donc il faut bien sûr fournir les ressources et pouvoir faire ces diagnostics en amont. Il y a l'accompagnement des pilotes, notamment par les formations, par la rédaction des procédures, par les sensibilisations, le coaching. Il y a tout ce qui est gestion des éventuels écarts que l'on pourrait trouver sur le terrain. Il y a la mise en place du système. Donc, de par notre expertise, nous avons cette capacité à pouvoir accompagner la structure. Et cela fait aussi un regard extérieur par rapport à leur organisation. Donc il y a ce double avantage-là. Madame, messieurs, avant de boucler avec cet entretien qui vous a beaucoup renseigné, nous voulons accorder une minute de parole au directeur général du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, M. Serge-Thierry Momboli. Monsieur le DG, vous avez la parole. Merci de la parole accordée. Tout d'abord, c'est de remercier le chef de l'État qui, par sa vision managériale, a mis en place un cadre qui permet de mettre en avant la qualité dans les services publics, puisqu'il crée le ministère en charge de la qualité. Et bien sûr, mon ministre de tutelle, Madame Rosalie Matondo, qui est en charge de l'économie forestière, qui, par son exigence managériale, nous a en quelque sorte emboîté le pas à nous inscrire dans la démarche qualité. Et donc, nous continuons dans cette démarche et dans cette exigence. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre échange au sujet de la certification qualité d'un établissement public ou d'un service public. Un échange qui vous a sans doute permis d'être bonnement renseigné avec grand intérêt sur la nécessité de la certification qualité d'une structure ou d'un service public, la finalité étant